ça y est, avec ce soir Jean Benguigui, Annie Lemoine, Perry Cochin, Raphaël Mesrahi, Sophie Garel et Arnaud Gidoin. Quelle ambiance! Arnaud, c'est quoi ça? Je sais pas, Jean il fait deux, je fais c'est trois. C'est des promesses, vois, des promesses! Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Mesrahi, ouais. À part sur les culs de bus. C'est vrai. Bah oui, oui. Et au Parc des Princes! Et au Parc des Princes! Surréaliste, au Parc des Princes! On regarde un match de foot, qu'est-ce qu'on voit, Mesrahi? C'est incroyable. Allongé sur la pelouse. Voilà. Non, mais c'est honteux. Si, oh, bah, c'est drôle, moi ça m'a fait rire. Annie Lemoine, resplendissant. Oh, ne vous exagère pas, à chaque fois. Jalouse! Je sais pas, mais je sais pas où vous allez chercher ces adjectifs. Franchement! Là, elle est belle, hein? Magnifique. Écoute, Sophie, c'est alors comment vous allez faire mieux maintenant? Idem. Ah non, moi non plus. Ça dévalorise mon compliment. Alors, et pour Perry Cochin, qu'est-ce qui reste? C'est bien, elle met du charbon dans les machines. Ouais. C'est bien. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de cette femme. Regardez. Une perceuse à la main qu'on peut voir dans le magazine Le Point, puisque désormais, c'est un nouveau sondage qui nous le dit, 80% des femmes bricolent, au moins une fois par mois, de toute façon. Bon, c'est énorme. Ça, c'est drôle. Bravo. Mais j'ai rien dit de mal, là. Non, franchement. Moi, je trouve ça très marrant. Oui. Bravo, Laurence, quel talent. Mais il y a longtemps qu'on bricole, allez. Ah, je croyais que t'allais dire, il y a longtemps qu'on bricole plus. Non, mais là, le chiffre est important. 80% des femmes bricolent. C'est énorme. De toute façon, on le voit bien avec la multiplication des Star Academy, des pop stars, des à la recherche de la nouvelle star, des bachelors et autres graines de stars. En ce moment, c'est vraiment tout le monde qui veut percer. Oh. Bravo. Bravo. Ouais. D'ailleurs, Jean, il ne faut pas se fier à cette photo. Pourquoi ? Peut-être que cette femme a simplement une perceuse entre les mains parce que son mari lui a offert des boucles d'oreilles à Noël. Ah, oui, bien sûr. Oui. Ah, oui. C'est horrible, c'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai, moi je sais qu'à la maison par exemple, moi je suis à la cuisine, je fais des courses, je fais des machins comme ça, et ma femme a la perceuse et bricole. Ah oui. Mais oui, moi je touche Robert. Pas. Ouais. Robert, c'est... En tout cas... Hey, Perry, vous êtes... Vous ne pourriez pas me taxer de Robert? Ou alors vous seriez de mauvaise foi? Non, on peut pas appeler ça des Robert, à la limite, des petits nichons, mais pas des Robert. Les Robert, c'est comme ça. Je suis archi-bricoleuse depuis toujours. Il y a plein de femmes qui bricolent. Bien sûr. Oui, moi j'ai accroché tous les tableaux chez moi, je fais des trous dans les... Et vous savez pourquoi les femmes bricolent? Non. Parce que les hommes ne savent plus bricoler. Par contre, en culture, en repassage, tout ça, nous avons fait d'énormes progrès. Moi, je te donne des cours tous les jours, hein, quand tu veux. Ça se tombe, on voit pas la photo d'après, elle va mixer des œufs. Ouais. Et en tout cas, elle a le corps, on sait même pas si c'est une fille, parce qu'on la voit de dos, parce qu'elle a les cheveux longs. Oui, oui. C'est un surfeur. Mais n'importe quoi, ça se trouve, c'est un... Ça se trouve, c'est un surfeur. Ah oui, ça me fait rire. Enfin, moi, j'ai une perceuse à la maison, mon mec ronfle. Ça fait le même bruit. C'est pas mal, ça aussi. C'est quoi, vous, la perceuse la plus connue? On peut citer des marques? Voilà. Non. Fais dodo, du lolo. C'est la perceuse la plus connue. J'adore la perceuse. Moi, j'ai toujours percé plein des portes. J'étais représentant en Judas au départ. Un petit d'ailleurs. Ça m'étonne pas toi. Ça m'étonne pas toi que tu sois représentant en Judas. Au passage, un petit salut à Marie Laforêt. C'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà. Mais oui. Mais oui, la forêt, la mèche de douze. Il est temps de passer donc à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine et on commence par ce dessin de Lefred Touron dans Le Canard Enchaîné. Pour la première fois depuis 1997, comme dirait Ben, la délinquance baisse en France. Les bandits se sont mis aux 35 heures. C'est une belle victoire de la gauche finalement.
Dans le Canard enchaîné aussi, Delambre qui nous dit que le gouvernement ne veut plus risquer d'être pris au dépourvu. On voit Raffarin faire ses vœux. Bonne année, joyeuse Pâques. Comme ça, on prend de l'avance. Dans Charlie Hebdo, on voit le couple présidentiel dans leur lit et Bernadette dit à Jacques, Sarko veut ta place, je la lui donne. Dans le Canard enchaîné, le Fred Touron nous dit que Bernadette déjoue les pronostics puisqu'elle se présentera, vous le savez peut-être, au sénatorial à Paris. Alors Chirac lui dit, mais franchement Bernadette, avez-vous songé à vous présenter un jour à la présidentielle, quelquefois en me rasant? Elle a démenti, hein? Elle a démenti son projet de elle ne fera pas ça. Au sénatorial, elle a dit que les journalistes racontaient n'importe quoi. Elle va rester en Corrèze, alors? On ne sait pas. Oh, c'est un suspense absolument insoutenable. Dans Charlie, maintenant, Schwartz revient sur le voyage de Sarkozy en Chine. Sarkozy en Chine, le grand timonier, le petit qui fait chier. Ça, c'est très mignon. Le même Sarko, vu par Pétillon. Dans le Canard enchaîné, Sarko à la conquête du monde. On voit Sarkozy qui dit, bon, pour les Chinois, ça y est, je suis quasi président. C'est déjà ça. Le dessinateur Lefred Touron rappelle dans le Canard enchaîné. L'ai-je bien dit? Moyen, moyen, refait, refait. Très belle diction. Comment ça, refait? Mais... Je refais si je veux. Ah bon? Ça peut arriver de bafouiller, c'est du direct. Bah oui. Non, mais c'est vrai, quoi, enfin, merde. T'as raison. Le Fred Touron rappelle donc dans le Canard enchaîné que Zinedine Zidane est le Français préféré des Français. C'est ça? Oui, absolument. Alors on voit quelqu'un qui dit bah il durera moins que l'abbé Pierre, parce que la carrière d'un sportif est plus courte que celle d'un sans-abri. Dans Charlie Hebdo, le dessinateur Charb s'intéresse à la situation de l'emploi en France. Ça n'a pas l'air d'aller, non? Mon entreprise licencie. Il y a combien de virés? Un. Oh bah ça va alors. Ouais mais c'est moi. Je l'ai un peu modifié. Mmh, oui. Jules nous envoie les premières photos depuis mars. Regardez, la une de voici. Bug, c'est fini avec ce blog. Dans Ola, Xup, Dom, Xo, Xag, Xom, il s'aime. Xup, la vérité sur sa terrible maladie. C'est les premières photos de mars. C'est rigolo. Bon, je crois que pas. On termine par quelques dessins faits pour nous par notre infographiste Wayne. Regardez. On voit par exemple Sarkozy qui veut un flic dans chaque école. Un CRS dit aux élèves, Jean-Pierre, CRS a une matraque de 1,5 kg. Il effectue un angle de 66 degrés à chaque coup, sachant qu'il frappe 17 coups en 2 minutes 8, calculé. C'est sympa. Tintin a 75 ans. Tintin et la canicule. Cette semaine, une grande campagne sur le thème. Ensemble, prévenons l'obésité des enfants. EHPAD, c'est le nom de la campagne, a été lancée par l'Observatoire des habitudes alimentaires et du poids. Oui, car en France, à l'heure actuelle, un enfant sur 8 est obèse. Et c'est pas pour autant qu'il parle mieux américain. Dans le cadre de cette opération, 10 villes s'engagent pour 5 ans à agir sur le terrain pour sensibiliser les enfants, mais aussi les parents, afin d'enrayer l'épidémie d'obésité infantile qui nous guette. Au programme, pompes et légumes verts. Thierry Marquet n'est pas gros, il est juste très lourd. Il a testé pour nous lutter contre l'obésité des enfants. Regardez cette caméra cachée, signée Julien Héron. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé lutter contre l'obésité des enfants. Mais t'as quel âge, toi? Mais 14 ans. Bah, t'es gentil, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bonjour madame, je suis inspecteur nutritionniste du ministère de la Santé. Oui. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie concernant les sucreries pour les enfants, oui, en raison du problème de santé publique qui concerne l'obésité. Oui. Donc simplement, je voulais savoir si vous avez des petites choses à manger pour vos enfants cet après-midi. Exact. Ah, vous avez quelque chose. Des qu'est-ce que c'est que ça? Des gâteaux alsaciens de toute première qualité. Ah oui, mais madame, je vais goûter. Désolé madame, mais ça c'est sucré. Donc simplement, je vais devoir vous mettre une amende. Quoi? Oh, il n'est pas question que je paye une amende. J'imagine mais bien. Regardez, je suis pas obèse, regardez. Mais non, mais madame, mais simplement, si votre enfant mange trop,
Elle va être obèse. Elle va être grosse plus tard. Mais on est prêt à échanger votre boîte à gâteaux contre un fruit. Acheter. Une banane, une clémentine. Mais je veux rien acheter, j'ai du fruit plein la maison. Madame, c'est une amende de 75 euros, c'est pas non plus énorme. Je ne paierai pas ça. Madame, vous vous occupez de vos affaires. La gamine, elle est bien en forme, elle fait 11 kilos. Alors elle est pas obèse en l'année. Elle mesure combien? Alors, ça, dans 10 ans, elle risque d'être plus grosse. Bon, vous me foutez la paix. Moi, je suis obligé de vous mettre une amende de 75 euros, monsieur. Flagrant délit de confiserie. Allez-y. Simplement, vous ne pouvez pas donner des petits biscuits sucrés à votre enfant. Eh bien, je lui en donnerai encore, ne vous en déplaise. D'abord, j'ai simplement vous échangé le fruit contre la gaufre que nous avons saisie. C'est bien votre crêpe au chocolat qu'on a saisie, là. De toute façon, moi, j'ai plus faim. Voilà, elle a plus faim. Vous voyez, vous donnez à manger alors que les enfants n'ont plus faim. Parfois, il faut savoir écouter aussi les enfants. J'ai dit, je veux une banane. Voilà. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. On va vous poser des affiches qui expliquent simplement qu'il ne faut plus vendre de confiserie. Aux mineurs de moins de 16 ans. Oui. Si par mégarde, on surprend quelqu'un en manger dans un parc, là pour vous, attention, c'est 500 euros d'amende, fermeture administrative du magasin pendant quelques temps. Hein. Ça, ce genre je ne veux plus en voir. Je vends que des confiseries. Les boissons sucrées, c'est pareil, hein. Tout ce qui est là, c'est terminé. On peut vendre des frites, des saucisses frites, des ballons, les jouets, ça c'est bon. Ça vous pouvez, le mieux c'est de vous faire une petite cabane au milieu du jardin, parce que là, ça ce sera trop grand pour vendre juste une saucisse et une frite. Hein. J'ai plus qu'à fermer boutique. J'aimerais bien que vous éteigniez les lumières et que vous fermiez un petit peu la boutique. Hein. Assez rapidement, s'il vous plaît. Bon, on va le faire. Oui, ben vous fermez, hein, c'est terminé. Oui, bien sûr. Que je ne vous vois pas ouvrir tout à l'heure. Hein. Vous fermez boutique, là, c'est terminé. C'est génial, c'est très bien. Je vous rassure, hein, on les a prévenus depuis. Accueillons tout de suite sur ce plateau un endocrinologue qui est aussi coordinateur du projet EHPOD, accompagné par le docteur Jean-Michel Boris. Non, c'est lui. Oh, je ne sais plus. Je confondais deux. Il y a le docteur Jean-Michel Boris et une dame, Sophie Trépose. Voilà, les voici. Qui est pédiatre. Ah, c'est bien, je sais qui est Sophie, je sais bonjour. Qui est Jean-Michel, c'est déjà ça. Voilà, vous occupez en tout cas de la santé de nos enfants, de vos enfants, qui seraient de plus en plus obèses en France. On suit en fait le chemin des Américains. Et il y a 10 villes en France que vous avez choisies. Asnières-sur-Seine, Beauvais, Béziers, Évreux, Mézieux, Roubaix, Royan, Saint-Jean, Thiers et Vitré. Et dans ces 10 villes-là, il y a un programme pendant 5 ans qui va inciter les parents et les enfants à lutter contre l'obésité. Pourquoi ces 10 villes-là? Alors, on a choisi ces 10 villes tout d'abord parce qu'elles avaient envie de faire quelque chose pour que leurs enfants ne prennent pas de poids de manière excessive. Elles ont été très volontaires. Les maires nous ont dit, on a envie de participer, de faire ce projet. Et donc, à partir de là, il y avait une trentaine de villes qui ont été sélectionnées. Et parmi ces 30-là, il y a eu 10 heureux élus qui sont celles-là. Alors, s'il y a vraiment une campagne comme ça que vous lancez, c'est parce que c'est un vrai, réel problème en France. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression que les gosses soient plus gros qu'avant quand je les vois dans la rue ou si. Ah oui. C'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'en 10 ans de temps, pratiquement, le nombre d'enfants obèses a été multiplié par 2, ce qui est tout à fait colossal. Et actuellement, mais obèse, c'est combien de kilos en plus de la norme de la courbe. Ça se calcule pas comme ça, en fait. Pour voir si un enfant est obèse, il faut faire le calcul de ce qu'on appelle la corpulence. Il suffit d'une petite machine à calculer, on prend le poids, on divise le poids par la taille au carré, c'est un petit calcul tout bête, et on reporte ça dans les carnets de santé. Si vous avez des enfants, vous les avez à la maison. Voilà, 4, ben, vous pouvez le faire ce soir, obèse, si vous voulez. Non, a priori non, mais il est vrai que vers l'âge de 10-11 ans, moi j'ai que des garçons, un petit ventre, machin, on se dit, oh là là, il va devenir obèse, mais en fait... Si vous tracez sa courbe, vous êtes rassuré. Si la courbe est régulière, il n'y a pas de problème. Si vous avez une courbe qui s'envole, vous pouvez vous dire, peut-être qu'il y a un petit risque, il faut être vigilant. Vigilant. Après, ça va, le petit ventre, tu dis. Chez vous, vous étiez un garçon, un bébé obèse? Ouais. C'est vrai? Bah, pas obèse, un peu gros, je me rappelle. Ça, c'est la fierté des mères, les gros bébés. Mange, c'est bon. Et donc, je mangeais tout le temps. Et un jour, je tombais des escaliers sur la tête, j'avais 1 an. Et depuis. Là, on a l'explication. On l'a cherché. Et c'est vrai. Et ma mère m'a mis des boudins partout. Donc pour rebondir, j'ai des méserbes. Vous avez mangé les boudins même? Non. Non. Après, je me suis tapé. C'est autre chose. Mais... La délicatesse. Oui, tout ça va de pair. Docteur Boris et docteur
vraie pause. Comment vous allez aider les enfants à moins grossir? En fait, on va faire surtout la promotion d'une activité physique régulière, parce que malheureusement, ça se perd. Ouais. Et la promotion d'une alimentation variée, équilibrée. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'aliment défendu. L'objectif, c'est juste une promotion pour tous les enfants. Vous pouvez être... Vous dites par exemple, les enfants, il faut arrêter de les déposer avec la voiture devant l'école. Oui, ça, c'est un programme qui s'appelle le programme Pédibus, qui est excellent. Quand il fait -10, moi, j'étais content d'avoir le bus. Hein. Mais quand vous marchez, même à moins 10, vous avez chaud. Avec le cartable, c'est hyper lourd, le poids des cartables. C'est considéré comme un exercice physique, le port du cartable. Oh non, mais c'est très lourd, ce qu'on fait. Ça dépend de la distance. Non, mais ça dépend de la distance. Vous pouvez avoir des distances courtes. Le Pédibus, c'est une idée qui est... En fait, à la base, c'était une mission écologique pour essayer de diminuer les pics de pollution aux abords des écoles. Et donc, c'est pas mal pour la promotion de l'activité physique. Ça coûte pas cher, c'est une espèce de relais de parents. C'est un bus pédestre où les enfants descendent de chez eux, ils vont à l'arrêt de bus où ça a été dessiné par les enfants, ça coûte rien. Comme dans cette année, c'est des vélos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond, il y a des mômes qui marchent et puis ils font dans ces bus. Quoi d'autre dans les cantines aussi alors? Alors dans les cantines, c'est pareil, le but dans une cantine, par exemple, quand vous annoncez qu'il y a des épinards avec du poisson et deux pommes de terre, ben vous pouvez être sûr que si vous annoncez ça comme ça, il y a 80% du plat qui repart directement à la poubelle. Eh oui. Si vous expliquez avant à l'enfant que des épinards, avec ces épinards, ça va être Popeye, vous allez être en pleine forme, qu'avec du poisson, vous allez être intelligent, que c'est préparé de telle manière, que ça sent, etc. etc. Ouais, que les carottes, ça rend aimable. Que les carottes, ça rend aimable. Eh ben, il va en manger un petit peu plus. Tu parles, Charles. On peut jouer avec. Moi, j'ai inventé l'inspecteur mini. C'est l'inspecteur mini du ventre. Il est dedans. Et parce que il n'aime pas trop les épinards. Il mange. Et puis, il y a l'inspecteur mini qui est dans le ventre. Ouais, moi, j'attends les épinards. Alors, ils arrivent. Et donc, elle les mange. Qu'est-ce qu'il est, l'inspecteur mini? C'est une bonne idée. Faut l'embaucher. Très bonne idée, ouais. Non, mais c'est un peu, c'est Jean-Ben Guigui. Non, je voulais demander, est-ce que vous avez remarqué, parce que moi, j'ai souvent remarqué que c'est souvent dans les classes les plus pauvres de la société qu'on trouve ceux qu'on. Qui ont le moins à bouffer, qui ont le plus d'enfants obèses. Est-ce que vous le constatez aussi dans vos... Tout à fait. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Non, c'est tout à fait vrai. Et dans les 10 villes, d'ailleurs, qui sont choisies, il y a des villes où il y a une extrême précarité. Par exemple, à Roubaix, il y a 40% de précarité. Et ça va être très intéressant de pouvoir aider ces gamins-là, justement. Et le fait de passer par l'école, ça permet de toucher 100% des enfants, alors qu'il y a d'autres stratégies, des affiches ou d'autres choses qui touchent malheureusement que ceux qui n'en ont pas besoin. Évidemment. Parfait, en gros, hein, on va dire. À Sophie. Non, mais merci, vous parlez. Alors, écoute. Un enfant, non. Rappelons les chiffres. Un petit Français sur 8 est obèse, hein, c'est bien ça. Ouais. Et si on ne fait rien, bah, ça va être 1 sur 4 dans pas très longtemps. Donc il faut agir. La campagne Ensemble, prévenons l'obésité des enfants. Non, c'est sérieux hein, comme histoire. C'est sérieux. Donc 10 villes de France vont faire ce test pendant 5 ans. Bah, vous reviendrez dans 5 ans. Avec plaisir. Ce sera pas nous, mais il y aura d'autres gens. Docteur Jean-Michel Boris et Docteur Sophie Trépas, merci. Rien, L'association I Love Europe a décidé de faire baisser le taux d'abstention lors des prochaines élections régionales en s'adressant aux électeurs du futur, les enfants. Pour ce faire, l'association a créé un jeu de cartes citoyen et républicain qui sera distribué aux plus jeunes et qui explique par le biais de questions ludiques les prérogatives des élus et l'organisation des élections. C'est franchement éclatant, vous allez voir. Je vous donne un exemple de question. Quel ministre de l'Intérieur passe son temps à emmerder Chirac? Oh, bah, voilà, réponse. Voilà. Pour tester ce jeu de cartes citoyens, accueillons tout de suite le président de l'association I Love Europe et inventeur de ce jeu de cartes, Monsieur Rachid Nekaz. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors c'est un jeu de cartes, hein, et c'est vrai que c'est fait, il n'y a pas que le jeu de cartes qui est important, parce qu'il y a aussi une loi quand même que vous allez essayer. Alors là, moi je trouve ça même mieux que le jeu de cartes, parce que le jeu de cartes c'est ludique, c'est pour s'amuser et tout ça, mais la loi, ça devrait passer, c'est-à-dire l'inscription systématique sur les listes électorales. Ah oui, ça c'est normal, ça c'est bien. Bah, à vrai dire, au lendemain du 21 avril 2002, on a été choqués comme tout le monde par le très fort taux d'abstention, il y a pratiquement 19 millions de Français qui n'ont pas voté, c'est quand même incroyable dans une démocratie comme la nôtre, et on s'est rendu compte, en fouillant justement la carte de l'abstention, qu'il y avait 3,2 millions de citoyens français qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Donc on s'est dit, faisons quelque chose de simple, rendons l'inscription automatique, comme ça, on n'a plus besoin d'aller en mairie pour aller s'inscrire. Toute personne en âge de voter serait inscrite sur les listes électorales. Très, très bonne idée. Mais ça, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi ils ne la votent pas, cette loi? C'est très comique. Au début, quand on a commencé à rencontrer les parlementaires et les maires, tout le monde nous recevait avec sourire, avec intérêt. Donc on était reçus par le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, M. de Villepin, M. Copé, M. Borloo. Donc tout le monde était très sympa. Donc nous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on prenait
les rendez-vous avec les députés et les maires, on disait, bah, on a été reçus par tous ces grands ministres. Et ce qui fait qu'en à peine 8 ou 9 mois, on a réussi à avoir la majorité des soutiens à l'Assemblée. Et aujourd'hui, on a 310 députés, donc moitié de gauche, moitié de droite, et plus de 1000 maires dans le pays qui nous soutiennent. Et donc là, bah, on a repris rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Et là, silence radio. Le ministre de l'Intérieur ne souhaite pas, malgré son engagement le 22 avril 2003, ne souhaite pas que cette proposition soit reprise par le gouvernement. Pardon, il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Un député peut proposer une loi tout seul. Donc, à partir du moment où vous en avez plus de 300, pourquoi il ne propose pas la loi? Alors, ça suffirait pour prendre une vraie décision là-dessus. La proposition doit être déposée le 12 mars 2003 par Jean-Christophe Lagarde, qui est député UDF des Seine-Saint-Denis, et par Lionel Lucas, qui est député UMP des Alpes-Maritimes, mais ça ne suffit toujours pas, malgré le soutien de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Après, il faut que la loi soit discutée. Alors, on se bat depuis un an pour que le gouvernement puisse la mettre en discussion à l'Assemblée nationale, mais c'est pour ça qu'on souhaite que l'ensemble des Français, et ici, grâce à votre émission, cette loi puisse enfin être discutée à l'Assemblée et enfin votée, afin que plus jamais on ait besoin de s'inscrire sur les listes électorales quand on a envie de voter. Bon, un mot sur le jeu de cartes, là, maintenant, parce que j'ai envie de tester mes petits camarades. Alors, attendez, on va demander à Raphaël Mesrahi. Ouais. À quoi sert le conseil régional? À conseiller la région. À gérer le développement social, culturel et économique d'une région. Combien de femmes occupent en 2003 le poste de président de conseil régional, Annie Lemoine? On doit y en avoir, allez, 3-4. Non. Encore moins. Deux. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal pour la parité. Hein. Dans quelle région la population est-elle la moins jeune en moyenne? Ah, je sais, ils vont tous prendre. PACA. Nice, PACA, ouais. Non. Non, moi je dirais Massif Central. Ouais. En Auvergne, bravo, Péricochin. Alors, tu vois, je croyais que c'était le. Comme Annie, je croyais que c'était le. Le Sud. Ouais, le Sud. Ouais. Comment appelle-t-on les élections qui élisent les conseillers généraux? Les cantonales. Sophie Gain. J'allais le dire. Ouais. Vraiment, alors là, ça, c'est une question piège. Hein. Les élections cantonales. Bravo. Et franchement, mais même pas en rêve. J'y crois pas une seconde à votre jeu de cartes. Même pas en rêve. Je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de vous convaincre. Non. Alors, non. Une question pour Péricochin. Uniquement Péri. Attention, les autres ne soufflent pas. Quelle information ne figure pas sur la carte d'électeur? La nationalité, le lieu de naissance ou l'adresse? La nationalité. Bravo, Péricochin. Bon, ben voilà. Hein. C'est super. C'est sympa, hein, jeu de cartes. On peut le trouver où? Alors, notre idée, elle est très simple. Quand on a réfléchi à ce jeu de cartes, c'était vraiment pour lutter contre l'abstention. Pas dans 10 ans. D'accord, mais on l'a trouvé. On peut le trouver tout de suite. Alors, vous pourrez trouver ce jeu de cartes le lendemain des élections cantonales et régionales qui ont lieu le 21 mars, à condition que vous soyez accompagné par un de vos enfants qui aurait entre 7 ans et 17 ans. Non mais franchement, j'ai une idée beaucoup plus efficace. Non mais si, attendez, je vous propose une idée. Un petit carnet, comme les carnets qu'on a au ski, vous savez, pour la première étoile, deuxième étoile, troisième... Non, mais sérieusement, ça existe, toutes les écoles de ski en France le font, et les enfants adorent avoir des petits tampons. Vous auriez un petit carnet comme ça distribué dans les écoles, à toutes les classes, tous les élèves sans distinction, et s'ils vont au bureau de vote avec leurs parents, on leur met un petit tampon dessus. Là, ils vont être motivés. Mais franchement... Eh bien écoutez, mais c'est exactement notre idée. Ah, bah oui! Pourquoi vous l'avez pas été clair, c'est à cause de moi. Mais alors? Mais à cause pas. Il faut absolument que vous nous rejoigniez dans notre association. Mais il va c'est falloir pas gagné, c'est pas gagné. Ah, alors écoutez, on va vous remercier. Bravo pour le jeu de cartes. Bravo pour cette association qui veut inscrire tout le monde automatiquement sur les listes électorales. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut que les députés votent cette loi. En tout cas, avant de la voter, il faut qu'ils la proposent. Voilà. Et un dernier mot, si je peux me permettre. Alors très vite. On lance un appel. Faudrait pas abuser, parce qu'autrement, moi, je suis pour la monarchie très vite dans ces cas-là. Un peu de temps. Laissez-moi terminer ma dernière phrase. Je vous en prie. Donc, un appel à toutes les communes de France pour qu'elles nous contactent afin que dans ces communes-là, les enfants puissent bénéficier de ce jeu de cartes à condition qu'ils accompagnent leurs parents le jour des élections, c'est-à-dire le 21 mars. Oh bah ils y vont rarement tout seuls au bureau de vote, les enfants, en même temps. Hein. Ah bah. Et notre objectif, c'est 5 à 10 points de participation supplémentaire. Allez, on va vous remercier, monsieur Rachid Descages. Merci. À très bientôt. Merci.
Le 13 décembre dernier, à Deauville, Miss Alsace, vous vous souvenez quand même, Miss Alsace a été sacrée Miss France 2004. Vous l'avez sûrement vue dans tous les journaux. Elle s'appelle Laetitia Bléger. Elle est brune, aux yeux foncés. Elle mesure 1m73. Et elle exerce ce beau métier d'hôtesse de l'air. Elle l'exerçait car le titre de Miss France est arrivé au bon moment. Elle venait justement de perdre son emploi. Elle a un léger accent qui sent bon la cigogne et la choucroute garnie. Ah, et mis à part Geneviève de Fontenay, qui ne doit pas être loin dans les coulisses, sa passion, c'est le jogging dans les vignes alsaciennes. On imagine. On imagine. C'est génial. Nous sommes très heureux donc d'accueillir ce soir sur ce plateau, pour la tester, la nouvelle Miss France 2004, Laetitia Bléger. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Enchanté. Il paraît que vous ne pouvez pas mettre la couronne parce qu'il y a un petit problème technique, on m'a dit. Oui, bon, j'avais pas fait de chignon, donc... C'est-à-dire qu'elle a pas encore... Oui, bon, elle est un peu grande. Et c'est pas obligatoire, le port de la couronne? Non, non, c'est pas du comme tout. Le casque départ, en moto, au départ, surtout. Vous retirez des points, non, non. C'est uniquement quand elles ont la grosse tête, ça tient mieux. Et ouais. Si vous étiez chaud, vous auriez pas pu être Miss France, alors? On aurait porté une perruque. Moi, je l'avais regardé et je faisais partie des... favorites au début. Hein. Des finalistes. Ouais, très gentil. Non, franchement. Merci. C'était vous ou alors... Bourgogne, Bourgogne, peut-être bien. Ouais. Peut-être Bourgogne. Deux régions viticoles. Voilà. Parce que vous faites votre jogging dans les vignes. Oui, mes parents sont vignerons. Vos parents sont vignerons. Ouais. Là, vous n'avez même pas amené une bonne bouteille. Ah non, mais je peux vous en ramener une, hein, quand vous voulez, sans problème. Très bien. Vous aviez voté pour Miss Alsace? Moi, j'ai hésité entre Miss Bourgogne et Miss Alsace et je les ai eues dans le désordre. Vous y croyiez? Non, pas trop, mais j'ai préféré ne pas trop y penser parce que sinon, il y a trop de déceptions. Bon, une fois dans les douches, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai peut-être une chance. Une fois dans les douches? Dans les douze. Ah, bon. Dans les douze finalistes. Dans les douze finalistes, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai une chance sur douze. Et voilà. Et après, dans les cinq. Et... C'est un cinquième. Quand j'étais dans les cinq, je me suis dit, j'ai au moins une écharpe. Et quand vous êtes retrouvé à deux, une chance sur deux. Mais non, elles sont restées cinq jusqu'à la fin. Ah bon? Et après que vous avez été élue, vous avez dit, ah, mais c'est moi. Bon, est-ce que ça se passe bien, alors, depuis cette élection? Vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. Vous êtes heureuse, Madame de Fontenay est très gentille. Ah oui, elle est adorable. Elle est là avec vous, là? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fout, Madame de Fontenay? Elle garde sa maison, elle garde son appartement. Ah oui, elle sort plus. Non, mais elle sort plus. Je ne suis pas à Saint-Cloud, je suis dans l'Ouest parisien, en fait. Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais tout le monde pense que j'habite avec Madame de Fontenay, mais maintenant... Ah non, pensez pas ça, nous, hein. Et on ne souhaite pas ça non plus, hein. Faudra ça ne dérangerait pas, chapeau, elle est vraiment gentille. Je le saurais, c'est moi qui vis avec Madame de Fontenay. Ah non, on dit bien, elle vous lâche pas, mais enfin quand même pas à ce point-là. Vous avez appartements séparés. Voilà. Bon. Et celle qui vous apporte à manger, des trucs comme ça? Ah non. Alors attendez, je vous ai bien commencé un appartement. Alors, quand on est Miss France, on a un appartement pendant un an de fonction. Oui. Et quand la nouvelle Miss France arrive, on rend les clés. Voilà. On fait comme un passage au ministère. C'est génial. Qu'est-ce que vous avez fait déjà, alors? Surtout des émissions de télé? Voilà, beaucoup au début des émissions de télé, de la radio, des photos. Moi, j'ai participé au Salon du Meuble dernièrement. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant pour meubler l'appartement. C'est la promotion canapé. Hein. Bah, j'ai eu un beau lit offert et tout. C'est pas vrai. Vous avez eu un lit garni ou ça? Non, un lit... Ah, voilà. On en vient à la question. Avez-vous un petit fiancé? Voilà. On passe à la prochaine, non? On peut pas? Comme la plupart des filles de mon âge, oui, j'ai un petit ami. Mais vous avez changé depuis l'élection ou pas? Non, c'est le même. Vous en êtes content? Vous pensez pas en changer tout de suite? Si je suis avec lui, c'est que... Mais ça va durer. Il a le droit d'aller dans l'appartement de la Miss, dans l'appartement de fonction? Ah, je sais pas, il est en Alsace. Vous avez pas le droit de vous marier, par contre, hein, c'est ça? Non. Mais de toute façon, je suis trop jeune pour me marier. Ça va pas être facile si lui est en Alsace et vous à Paris, là. J'ai vécu une année en Angleterre, quand même. Hein. Ah bah oui. Ah, il est habitué à... Mais oui. Et vous téléphonez, alors, comment ça se passe? On passe à la prochaine question. Mais non, nous, on veut savoir. Parce que ce qui est pratique, quand on n'est pas ensemble, c'est de se téléphoner. Alors moi, je demande si vous vous téléphonez. Mais oui, comme je téléphone à mes parents. Madame de Fontenay, vous autorise combien de rapports sexuels par semaine? Dans l'appartement,
On va quand même peut-être pas préciser où. Elle n'est quand même pas là pour me dire si j'ai le droit d'avoir des rapports ou pas. Et vous autorisez combien de rapports sexuels à Madame de Fontenay? Bon, alors, vous êtes Miss Alsace, et la précédente Miss Alsace, on la connaît, parce que c'était... Nathalie Marquet. Voilà, la femme de Jean-Pierre Pernaut, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps ici, d'ailleurs. Très gentil. Alors, elle a épousé un présentateur de télévision. Elle a eu un présentateur de fonction. Vous en aurez, mais... Est-ce que vous, ça vous tenterait pas? Pour l'instant, non. Non, bah écoutez, je vous propose... J'ai un petit catalogue, là, de présentateurs. Voilà. Vous me dites s'il vous intéresse ou pas. Alors, oui, bon. Premier présentateur, là. Il vous tente pas, celui-là? Bon, oui. Jean-Pierre Foucault. Bon, il est très bien, il est très gentil. Mais... Très bien. Pour l'épouser. Soit qu'il est pris, hein, de toute façon. Il est pris? Mais bien sûr. Alors, un autre animateur. Alors. Arthur. Oui, il est pris, hein, avec une belle fille en plus. Avec une belle fille, ouais, mais... Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. On ne casse pas les couples. Il est très amoureux. On ne casse pas les couples. On ne casse pas les couples. Non. C'est très bien ça. Alors, un autre. Ah. Oh oui, non, mais il est pris. Ah. Ça se discute là. J'ai pas le temps. Vous diriez pas non. Bah, Jean-Luc, si tu nous regardes, un coup pour rien. Donc on met Jean-Luc. Alors Jean-Luc Delarue, elle dit pas non. Un autre. Ah non. Attendez. Bon. Ah, celui d'avant. Ah, oui, il est très très gentil. Cool. Ah, il est J'ai très gentil. Vu trois fois, franchement, bon, très 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 gentil. Bon. Un autre. D'ailleurs, je le salue parce que vraiment. Elle le salue. Oui, oui, il est gentil. Hein? Ah, il est gentil, c'est une possibilité ça aussi. Non, mais arrêtez, non, mais. Thierry, avance pas trop, mais. Mais il y a que ça d'impression. À peu près, je connais un peu les goûts de Thierry Ardisson. Oui, oui. Parfaitement le genre de fille qui lui plairait. Ouais, c'est possible. Ah, On verra, c'est l'avenir qui dira. Alors là, si vous voulez un bel appartement rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah, ouais. Mais il y a des dîners d'organiser. Un dernier. Ah, voilà. Il aime beaucoup les couronnes. C'est vrai. Ah, oui. C'est vrai? Non? Bon, bah, c'est Jean-Luc Delarue, le grand gagnant. Jean-Luc Delarue repart avec Miss France, Coco. Vous feriez un beau couple, franchement. Hein. Je sais pas. Ah, si. J'ai pas trop pensé. Hein. Pas trop pensé. Ah, ouais. Je vous confie entre les mains. Je vous confie pas, d'ailleurs. Voici Raphaël Mézraï. Voilà. Ouais. Non, non, c'est pour danser un slow. Ah, non, non. On danse un slow, ce qui était prévu, non? Ah oui, c'était prévu. Ouais. Non, on va pas danser. Ah, si, Mme de Fontaine vous avait dit, il y aura un slow. Mettez la musique, alors. Hein, ouais. La musique. La musique, d'abord. Il a une chance. Ah, il n'y a pas de musique. Destiné. Je peux pas danser sans musique. Quoi? Mais si, danser, c'est sympa. Des moi, contrats, je suis écœuré, moi. Elle t'a refusé une danse? Mais non. Attends, mais c'est un t'as refusé. Mais t'as vu comme ça se la pète? Ça arrive comme ça, on sait pas qui ça. Moi, je vais faire un Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? D'où elle vient? Tu l'invites à danser, t'as refusé? Bah non, mais je vous invite à danser gentiment. Bah oui, bah au départ, j'avais danser. Pas l'a priori, je veux dire. Moi, j'arrive comme ça, je dis tiens, on peut danser. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'aime beaucoup ce que vous faites, et puis là, vous plombez tout, quoi. Désolée, hein. Dessus, pour ouais. Bon, cela dit, en même temps, t'as bon, l'habitude, allez, c'est pas t'as l'habitude d'essuyer des refus, Raphaël. C'est pas vrai, Annie Hameau. Je veux juste savoir un truc, Miss France. Puis à un moment, vous dites, je suis pas plus belle qu'une autre, mais une autre quoi? Moi, je suis pas plus belle qu'une autre fille, parce qu'on me demande souvent... On me demande souvent, vous êtes Miss France, vous êtes la plus belle femme de France, mais c'est pas vrai, je ne suis pas la plus belle. Il y a des filles très jolies qui ne veulent tout simplement pas se présenter à des élections, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit ça, tout simplement. Non, juste pour dire qu'on l'a vu avant et après. Avant, au maquillage, sans maquillage. C'est moins bien. C'est ça? Non, justement, non, c'était formidable. Ah, c'était arrivée fraîche. Fraîche, pimpante. Elle ne se la pète pas, contrairement à ce que tu dis. Ah, c'est gentil. D'un autre côté, au maquillage, Yannick Lemoine et Perry Cochin. Non, mais je veux dire, voilà. Justement, on est capable de. On a bien évalué, on a dit, voilà une jolie Miss France sympathique. Ah, bah ça, merci beaucoup, c'est gentil. Arnaud, un petit test? On peut se prêter un petit test, puisque vous savez, moi j'aimerais réparer une petite injustice, puisque pendant l'élection des Mister France, il y a eu des questions de culture générale qui ont été posées aux Mister. Donc j'aimerais vous poser quelques questions de culture générale. Vous avez fait ça en plus. Oui, très gentil. Mais oui, j'étais battu, c'est moi qui ai été élu. Mais oui, bien sûr. Ils l'ont fait. Il a été ridicule, Ben Guigui. Oui. J'étais élu. Ah, pardon. Oui, oui moi j'étais que deux. C'est ce que je disais. Les deux sont valables. Je suis un peu intimidé. Ah non, mais c'est très très facile. Alors par exemple, qui a peint la Joconde? C'était Léonard de Vinci. Très bien. Il avait dit qui
On croit que c'était Van Gogh qui l'avait dit. Van Gogh. Ouais, ouais. Quel con, alors. Bon, ça peut arriver, hein, le stress. Oui. Je sais pas. Ouais, ça peut arriver. Non, franchement, ah, ça peut arriver. Qui était le président de la République française de 81 à 95? Mitterrand. Voilà, très bien. Mais je réfléchis un peu avant parce que. Bah, vous avez raison. Vous avez le temps. On n'est jamais à l'abri d'une connerie. Ah oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est moi, je passe devant des millions de spectateurs. Bah oui, nous aussi. Non, mais vous, vous pouvez vous permettre de dire des bêtises. Comment appelle-t-on également la nuit du 31 décembre? Bah, le réveillon, fin de la nouvelle année. La Saint... Sylvestre. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Combien de disciplines comporte un pentathlon? 5. Ouais, 5, bien sûr. Et alors, là, c'est juste le petit piège, mais quelle heure est-il quand la petite aiguille est presque sur le 4 Ça, c'est dur, collègue, ça. Et la grande sur le 7. Attendez, là, faut vraiment... La petite aiguille sur le 4 et la grande sur le 7. Il est 3h35 ou 4h25? Sur le 7, 3h35. Mais oui, c'est bien, regardez. C'est formidable. C'est ça. Oui, bon. Ouais, c'est ça. Hey. Elle a fait l'école alsacienne en même temps. Bon, bah, écoutez, voilà. Bravo. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander de plus qu'on ne vous aurait pas demandé, puis que vous auriez aimé qu'on vous demande, et en même temps que vous étiez préparé à répondre, et puis qu'on n'avait pas posé. On vous embrasse, vous êtes très jolie, charmante. Vous avez bien résisté à nos questions. Vous embrassez. Madame enfin, vous serrez la main à Madame de Fontenay. D'ailleurs, elle vous passe le bonjour. Elle me passe le bonjour. Et on a un point commun, vous et moi, hein, je ne sais pas si vous savez. On adore les animaux, on a tous les deux un labrador. C'est pas vrai. Je pense à vous, j'ai lu ça. Comment il s'appelle le vôtre? Pinot, Pinot, moi aussi. Ah. Je vois qu'il est brun, il n'est pas noir. Non, il est brun, il est chocolat, le mien. Chocolat, oui. Chocolat, le mien. Le mien, il est noir. Le mien, il est chocolat, il s'appelle Ultimo. Il arrive à faire pipi, c'est joli. C'est un mâle, le vôtre? Oui, oui. Ah ben, le mien aussi, ben, ça tombe bien. Allez, je vous embrasse. Merci, la équipe qui a plaisir. Merci pour cet accueil. Alexandre Debanne, c'est notre dernier invité pour ce soir. Eh bien, Alexandre, c'est une sorte d'Indiana Jones à la française. L'aventure et le goût du risque, c'est un peu comme Mireille Mathieu et sa coupe au bol, il est né avec. Le 1er janvier, il était pour la première fois sur la grille de départ du Paris-Dakar. Au début, tout s'est bien passé pour Debanne, mais c'est au cours de la 7e étape que les choses se sont un peu gâtées. Voilà pourquoi il est déjà revenu. Alexandre Debanne, nostalgique de l'époque où il présentait Vidéogag, a tenté un triple loup de se piquer par-dessus une dune pour gagner le caméscope. Puis... Non, je déconne, il va vraiment nous raconter ce qui s'est passé. Voici, mesdames et messieurs, le roi de l'aventure, Alexandre Debanne. Salut Alexandre. C'est en ce moment encore le 26e Paris-Dakar, mais c'était votre premier pour vous. Je ne suis pas du tout nostalgique de Vidéogag. Donc ça, c'est fait. Oui, d'ailleurs, c'était pas très spectaculaire ce qui vous est arrivé. C'est tout con, en fait. Oui. Hein, l'abandon, c'est à cause d'une pièce qui s'est bloquée dans un caillou. Un cardan. C'est un caillou qui s'est bloqué dans le... Voilà, c'est ça. C'est non, ça, enfin, au contraire. Ça confirme que les hommes sont pas vraiment bricoleurs, hein, quand on écoute. Hein, Et il y a un caillou que vous glissez. Ouais, là j'ai pas eu de bol. Hein. Franchement, j'ai un caillou gros comme la main qui s'est coincé. C'est une pierre carrément. Oui, oui. Un rocher, tu veux dire. Vous rouliez sur quoi alors? Enfin, je veux dire sur quoi? Sur une voiture. Oui, d'accord. Ah, dans une voiture en fait. Ah, voilà. Pas de moto, c'est ce que vous vouliez dire. J'essaie de suivre. Il y a toutes catégories. Il y a les motos, il y a les camions dans le Dakar. Ah, c'est impressionnant les camions. Il y a plusieurs types de voitures. Il y a plusieurs catégories de dans les voitures. Il y a des buggies également. C'est marrant, le journal L'Équipe qui met des banderoles partout dans le désert. Hein. Faut plus les arrêter. Bon, alors, vous avez envie de le refaire, ce Dakar? Ah oui, je sais ce que je fais le 1er janvier prochain. Hein. Ça, c'est vrai? Ah oui, oui. Vous repartez? Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Pourquoi vous avez eu envie de faire ça? Parce que j'adore les voyages, ouais. J'aime bien piloter. Non, mais attendez, c'est mais pas du femme, tout sur vous moi. Vous l'aimez, votre femme? Ben oui, bien sûr. Parce que vous êtes toujours parti. Dès le début, je lui ai dit que j'étais un parti intéressant. Intéressant parce que souvent parti. C'est joli. Et avant d'expliquer, c'est vraiment une aventure. D'abord, il y a un parfum d'aventure qui règne au sein de tous les participants. En plus, il y a eu une véritable aventure. Je crois que vous avez cassé la voiture, mais vous êtes resté, je crois, 3 jours dans le désert. Ouais, ce qui n'était pas une punition, hein, franchement. Ouais, hein. Je suis rentré hier à Paris, j'étais mieux là-bas. Hein. C'est sincèrement. Vrai ah ouais.
Bah, regarde, il a eu le temps de bronzer. Et ouais, alors ça, c'est parce qu'il n'y a pas tellement d'ombre dans le désert. Ah bon, il fait chaud. Mais c'est... Ah, non, mais c'est bien de m'expliquer. C'est bien. Vous faites bien de le rappeler. Ça a l'air d'être une lapalissade. Je peux vous dire qu'on s'est tapé avec mon équipier 2 km à pied à travers les dunes pour aller choper le seul arbre qu'on a vu à l'horizon. Ah, t'as fait le Paris-Dakar à pied, en fait, alors. Ouais, une partie, ouais. Et il chante bien, Gérard Holtz. Ah, alors, bah écoute, j'ai pas eu le temps ni l'occasion de l'entendre chanter. Parce qu'il paraît qu'il chante à la guitare le soir. Au bivouac, ouais. Mais là, le bivouac du Dakar, c'est particulier. Parce que les premiers arrivent vers 17h, les derniers arrivent à 4 ou 5h du matin. Ah donc, oui, donc. Jean ? Mais Alexandre, tu as un contentieux avec Gérard Holtz, non ? Ah bon ? Pas du tout. Il t'a pas sorti dans une course d'auto violemment ? Ah non, c'est l'inverse, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'es sorti ? Qu'il avait sorti. Ah bon, ouais. C'est toi qui l'as sorti. Il n'est pas rancunier parce que justement, il est venu nous survoler avec son hélico. Alors, c'est assez marrant parce que les moyens techniques de France Télévisions sont assez surprenants. On est là, on conduit avec donc évidemment un casque, mais dans le casque, on a un système radio grâce auquel on peut parler à son voisin. À un moment donné, on a entendu des parasites. Je lui ai dit, tiens, il y a un problème dans ta radio, tripote un peu le micro. Et là, j'entends Gérard qui me parle. Gérard Villers ? Il ne peut pas s'en empêcher. Non. Gérard Holtz. Gérard Holtz. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et il me dit, te retourne pas, je suis juste en haut à gauche. Et c'est assez amusant d'entendre quelqu'un que vous ne voyez pas vous parler. Et donc, il faisait ses images et il nous parlait en même temps dans quelle le casque. Quelle aventure, t'imagines ? Non, mais sur le plan c'est technologique, ça le Paris-Dakar. T'as Gérard Holtz dans le casque. Ouais. Tu pars d'une aventure ça humaine. Ça surprend, hein. Ça surprend. Raphaël Mesraïs, vous aimeriez faire ça, le Dakar, vous ? Non. Bah non, parce que je suis un dégonflé, mais autrement j'adore ça, je suis un passionné. Eh bah dégonflé, c'est mieux pour passer dans le sable. C'est vrai, ah bah ouais. C'est vrai. Sophie Garel. Non, mais je trouve que c'est assez touchant. Enfin, moi, Alexandre, je l'aime beaucoup depuis longtemps. Il fait plus de télévision en faisant le Paris-Dakar qu'avant, il me semble, parce qu'on le voit partout. Mais... Ouais, surtout dès que je passe 2-3 jours dans le désert. Ouais, oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a fait comme le petit poussé. Il a laissé des cailloux derrière lui. Il pourra retrouver sa piste l'année prochaine s'il l'a perdue cette fois. Parce qu'il y a plein de cailloux, vous dites, et puis il y en a un qui s'est mis dans votre voiture. Ah oui. Mais ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'organisation. Faites bien de reprendre, parce que tout sera coupé avant. Ça change pas ici. Il y a des choses qui changent pas ici. Si c'était Elsa Fayer, ça serait pas coupé. Hein. Ouais, mais tu vois. Ça balance. Tu vois, du coup, je crois que ce sera pas coupé finalement. Non, ce que je voulais savoir, bon, bah, qu'il soit un grand aventurier, qu'il veuille faire des tas de choses, et la moto, et l'hélicoptère, et je sais plus quoi, du ski et tout. Mais quelle est l'organisation pour partir là-bas ? Quelle est ta petite valise ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire ta petite valise ? Dans ta valise ! Oh non, ça va être coupé aussi ! Je sais pas, répondez pas. Il n'y a vraiment qu'une question à vous poser. Mais pour lui, il est slick, il connaissait la pêche, c'est ça ? Non mais Sophie, vous me dites j'ai pas de questions intéressantes à poser à Donald ou j'aime pas ce mec-là, je vous donne pas la parole. Mais la parole d'abord tu me l'as imposée sans savoir si j'allais avoir des réponses intéressantes, non. Mais maintenant tu questions. Je crois savoir pourquoi Sophie a posé cette question, parce que elle se met à ma place et elle imagine tout ce qu'elle emmènerait. Mais c'est vachement gentil d'avoir voulu lui sauver la mise, mais pas du tout ce qu'elle voulait dire de façon synthétique et rigoureuse. C'est alors slip ou caleçon? Caleçon. T'as pas un casque du Paris-Dakar que ça plane. Jean, non seulement vous avez le casque, mais en plus vous avez les deux gourdes pour travailler sur le désert. N'atteindra pas la blanche. Je suis un peu chameau. Ah, ah ouais, vraiment. Arnaud Gidois. Bah moi, je vais essayer de faire court hein, pour ne pas être coupé au montage. J'ai une petite surprise pour vous, Alex, puisque vous savez qu'ici, toute l'équipe de On a tout essayé, on a aussi une énorme logistique. On a des chercheurs, on a des gens qui sont allés sur le désert, qui sont allés en Afrique et qui vous ont rapporté donc quelque chose. On a retrouvé donc l'élément qui vous a fait abandonner. Je crois qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît. Ben, je demande d'apporter le caillou. C'est pas possible. Alors.
On a du caillou mal, qui vous a... Bah non, oui, c'est lui. Je sais où il est le caillou, là, en ce moment. Parce que le caillou, c'est un bout de malchance, là, qu'on a eu. C'est mon navigateur qui s'appelle Marc Joanneau, qui est un garçon qui l'a fait 17 fois. Dont... Ah, il faisait en bateau, lui, alors? Non, non. Joanneau. Mais non, mais un navigateur, c'est quoi, alors? C'est celui qui te dit où tu dois aller. Ah bon? Voilà, ouais. Tout droit, à droite, à gauche, tout ça. C'est le copilote, si tu veux. Exactement. Bah c'est voilà. Qui a le roadbook dans la main. Ouais. J'étais à deux doigts de le faire, le Dakar, c'est pour ça. Eh ben, il faut venir. Et ouais, parce que quand on passe trois jours dans le désert, c'est mieux une navigatrice qu'un navigateur. Pas de problème. On peut s'arranger. J'ai une place éventuellement. Regardez, pour, ça saute derrière. Ouais. Calmez-vous. Ah, non, si on a l'air. Non, il est deux fois plus gros que vous. Vous appelleriez pas Monsieur Poisse, vous. Écoute. Alors ça, c'est pas du sable mauritanien. Non, c'est du savane. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Non, c'est du couscous. Je voulais vous en ramener, du puis sable. Je me suis dit, oh, je vais pas salir, parce que j'en ai ramené une petite bouteille. Il y a une tradition, quand on a un coup de malchance sur le Dakar, on emporte soit un bout de caillou, si c'est du caillou, ou sinon une petite bouteille de sable. Comme ça, ça conjure le mauvais sort pour l'année d'après. Et vous faites comme ça, comme le sel après. Non, non, on asperge un peu sur la bagnole et on dit Inch'Allah et on trace la route. Mais j'ai failli vous en amener, puis j'ai pas voulu salir. J'étais nous, bête. Pour vous porter chance l'année prochaine, vous partirez avec ça. Hein, c'est ça, d'accord. Voilà. Ouais, en plus, c'est bien, ça sera pas du tout encombrant dans mon sac à dos. Merci. Vous restez en tout cas spécialiste du sport en général, mécanique en particulier, automobile encore plus particulièrement. L'émission Plein Phare, ça existe toujours? Oui, on en a tourné une au Dakar, justement. Et puis, vous aurez bien sûr votre raid habituel avec des tas de femmes qui vous entourent. Le fameux raid aventure avec l'eau qui fait pisser du 1er au, du 1er au 10 octobre au Sri Lanka, cette fois. Ouais, c'est superbe comme pays. Et d'ailleurs, j'attends toujours une équipe dont on a tout essayé parce que les filles, quand j'étais venu le présenter là l'année dernière, allez, elles étaient à dire « Ah, nous, on vient. » Je n'ai vu personne. Annie, descends ces feuilles. Banco. Je suis toujours les mauvais coups avec toi. Quel mauvais coup? Moi, les mauvais coups, mais moi, oui, les meilleurs coups que t'as connus, c'est moi qui t'ai donné. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a, dans l'organisation, il y a 70 garçons, ils ne sont pas tous des mauvais coups. Non, mais ça suffit, si on envoie une fille qui représente l'émission, ça suffit. Ça suffira. Bon, on envoie Claude Sarraute. Allez, vous restez avec nous, Alexandre, pour le Dakar finir. Ouais. Quelques déclarations. J'imagine que le concept est dans le titre. Voilà, exactement. Il faut compléter la phrase de Pierce Brosnan. Pour ne pas faire le James Bond de trop, il me suffira... De dire vieillir. Non. De vieillir. Non. De mourir. Non. De prendre du ventre. Non. Suffira d'un signe. J'aime bien, voyez. Oui, oui, ça m'étonne pas de lui. Qu'on ne m'engage arrêtez pas, avant. Qu'on ne demande arrêtez pas. Avant, bravo, voilà. Alexandre Deval. Il suffira d'arrêter juste avant. C'était facile pour moi quand il s'agit d'arrêter avant. Voilà. Sors, Emmanuel. À 95 ans, je me sens comme... Une jeune fille, comme une fleur, comme une rose. C'est proche de Dieu. Je me sens... Alors voilà, c'est quelque chose d'assez poétique et elle évoque évidemment la fin, la route vers la fin. Oui, oui. Comme plus près de Dieu. Non. Non. Ouais. Plus proche de mon Seigneur. À la veille d'une grande rencontre. Non. Comme une fleur qu'on va cueillir. Non. Alors voilà, on se rapproche. C'est beau. Pas une fleur qu'on va cueillir. Ah, comme un fruit. Une pomme comme qui va tomber de l'arbre. Non. Comme un fruit. Comme quoi? Je vous le mime. Vas-y. On n'est pas sortis de l'auberge. Une petite vague. Un papillon. Une vaguelette. Un petit ruisseau. Une vague. Un poisson. Une rivière. Une baleine. Un rafting. Comme une petite barque. Oui. Très qui bien, va atteindre le rivage. Qui va atteindre l'autre rivage? Non. Qui quitte doucement. La vie. Qui quitte doucement, la vie. Ouais, j'ai trouvé. J'ai gagné. Elle est mignonne. C'est très joli. C'est très joli. Adorable. Très joli. Magnifique, je dirais Emmanuel. En même temps, c'est bizarre. Moi, j'aime beaucoup. C'est génial. Gilbert Collard, l'avocat. C'est qu'il n'aime pas trop les guignols. Forcément, il a sa marionnette qui en prend souvent plein la gueule. Mais... c'est bien mérité. Les auteurs des guignols sont trop bien payés pour une fonction. Laquelle? Subalterne. Non. Inutile. Non. Minable. Non. Pour une fonction bon marché. C'est violent. C'est assez violent, c'est un jeu de mots. Ah, pour une fonction pas naturelle. Fonctionnaire. Ah, au contraire, c'est très naturel comme fonction. Gastrique. Une fonction de chien. Pas gastrique. De chien.
Pas chiant. Ça reste dans le ventre ou ça descend plus vers le bas quand même? Ouais. Ça descend, ça descend. Pour une fonction qui fait déféquer. On peut pas y échapper. Pardon? Déféquer. Non. Déféquer. Non. Mais non, bah, oui. D'emmerdeur. Pour de... Non, mais un synonyme, c'est de, médical. Un synonyme de merde. Alors, non, c'est compliqué. Étron, hein. Pas étron, non. Les excréments. Une fonction digestive. Pardon? Les excréments. Alors, une fonction excrémentielle. Excrémentielle. Bravo Jean-Benguigui, bravo Annie Lemoine. Oh là 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 là. Quelle classe. Il est beau, Alexandre. Il est beau, il est pas con, il est drôle. Ça m'énerve. Ah, ouais. Vivement un calendrier. Et il est gentil. Heureusement, il commence à être vieux. Ah, Et vous savez que j'en suis très content. Alexandre Deban, on vous remercie. On va souhaiter un bon week-end à tous les téléspectateurs qui regardent. Merci à vous. Merci. Bonne chance pour le rallye au Sri Lanka. Au mois d'octobre, on aura encore l'occasion d'en reparler, j'imagine, et puis pour le prochain Dakar. Et bonne chance surtout à ceux qui continuent à suivre le Dakar sur France 2, France 3. Absolument. Parce que c'est nous qu'on le suit. Et ils arrivent dimanche. Voilà. Ouais. Et ben voilà. À Dakar. Et ben nous, à lundi. Bye bye.